voilà, alors Véronique Reinhardt, ici on est à Gignac, oui. Et c'est votre atelier. C'est effectivement mon atelier de vitrail. Voilà, votre atelier où vous travaillez l'art du vitrail. Ça se commence de quoi un atelier concernant l'art des vitraux? Alors, comme vous allez le voir, un atelier se compose d'une table qui me sert de table de coupe de verre, puis d'assemblage du verre. Je dispose également d'un four, de caisses de plomb, de feuilles de verre, ça c'est la matière première, et c'est à peu près tout, une molette, un diamant, un compas. Et beaucoup de savoir-faire. Probablement, si vous le dites, oui. Ok. Bien. C'est effectivement mon plan de travail, qui est une planche de bois, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a rien de très extraordinaire à ça. Table de travail qui va me permettre d'assembler cet ouvrage composé de quelques pièces multicolores. Et quelques plans de coupe, ça permet de cacher les misères dans les plans séquences, oui. Et de faire des plans d'illustration, dynamiser un peu le fil. D'ouvrir mon plan. Qui me permettra d'insérer le verre dans la forme excavée du plomb, qu'on appelle communément un H, parce que le plomb représente une forme, la forme de la lettre H en majuscule. Bon. Je l'assertis avec le plomb. C'est comme un puzzle. Oui, c'est un puzzle, exactement. Voilà. Auparavant, vous avez fait le dessin avec un calque. Alors voilà, auparavant, j'ai fait le dessin à l'échelle sur du carton. Puis ce dessin, je l'ai découpé. Et afin de le mémoriser, je l'ai décalqué au préalable sur un papier calque exact. Parce que sinon, je perds un petit peu le fil de mon puzzle et j'arriverai sûrement à le reconstituer, mais je mettrai beaucoup plus de temps. Donc, toujours dans cet esprit-là, voilà. Donc, avec un autre instrument qui s'appelle un ouvre-plomb, j'imprime le plomb. Le plomb qui, rappelons-le, est un métal mou. Garde la mémoire, qui détient la mémoire de la forme. Donc je lui donne la forme de la pièce de verre appelée à être sertie. Il en va de même de pièces à droite et à gauche, bien sûr, qui seront toutes serties de la même façon, les unes après les autres. Voilà, j'imprime de nouveau. Je presse bien le plomb contre la vitre afin de lui donner la forme définitive. Je maintiens le tout avec des clous de montage afin que ça ne bouge pas. Car comme vous pouvez le constater, la pièce est libre. Alors, la technique du vitrail, Véronique, oui. Reinhardt, ça date de quand? D'après les manuscrits, ça daterait du XIIe siècle. Et depuis se perpétue en subissant quelques
quelques améliorations, quelques modifications au fil du temps, en fonction des époques, en fonction de la mode. Mais le système du XIIe siècle est toujours d'actualité, à savoir que ce sont des morceaux de verre teintés dans la masse, sertis au plomb par des baguettes de plomb. L'avantage dont nous disposons actuellement, c'est que ces baguettes de plomb sont usinées au préalable. Ça signifie que le monteur de vitrail n'est pas obligé de raboter une tige en plomb pleine afin de la creuser, mais nous les achetons tous dans la corporation déjà bien creusées. Donc ça, c'est un avantage de la modernité. Au travers du temps, le vitrail a évolué de différentes façons. Il a été très sommaire au XIIe siècle parce que justement les plombs étaient coupés à la main, creusés manuellement. Probablement que les diamants, les molettes de tungstène, ça c'est une certitude, n'existaient pas, mais les diamants étaient moins existants aussi, ou même ils n'existaient pas, les verres étaient coupés au fer chaud. Ça signifie que les formes étaient plus aléatoires, plus grossières aussi. Désormais, nous disposons d'outils plus tranchants, tels qu'une molette au tungstène, qui permet de sortir des coupes plus fines. Le plomb est usiné aussi préalablement, donc ça signifie que la technique est plus facile. Bon. Le vitrail a également évolué dans ce sens où, au fil des siècles, il a été chargé plus ou moins de peinture. Ce n'est pas le cas de cet ouvrage. C'est le cas de l'ouvrage qui se trouve au fond de mon atelier là-bas, qui représente un ange. On va aller le voir. Voilà. Alors là, l'ange que vous pouvez voir ici, qui est accroché dans mon atelier, c'est une réplique d'un ange qui se trouve dans le transept nord de la cathédrale de Chartres. Et c'est à Chartres d'ailleurs, dans un atelier chartrain, que j'ai appris à l'exécuter. Bien évidemment, dans la cathédrale, il est beaucoup plus grand. N'empêche que la technique est la même. À savoir que les pièces sont peintes et chaque pièce est peinte trois fois au four. Trois fois, ça signifie que tant le recto que le verso sont enrichis d'une peinture que nous appelons dans notre métier de la grisaille. Elle n'est pas forcément grise. Il est vrai qu'elle comporte des oxydes de métaux lourds, tels que du plomb, mais la grisaille n'est pas forcément grise. Il existe la grisaille brune, la grisaille verte, etc. Dans le cas présent, j'ai travaillé exclusivement avec de la grisaille noire. Bon. Donc c'est un motif religieux qui matérialise un ange dans la tradition du XIIe siècle. Alors en ce qui concerne cet ange, une fois de plus, bon, le travail est toujours le même, à savoir un dessin sur du papier millimétré, puis après un dessin donc au dixième, suivi d'un dessin sur du papier un petit peu fort, du carton je dirais. Je découpe les cartons, puis je découpe les verres correspondants. À ce moment-là, il faut peindre les verres, parce que la peinture est appliquée avant le sertissage du vitrail. La cuisson se fait avant le sertissage. Pourquoi ? Parce que la cuisson nécessite une température avoisinant, en ce qui concerne la grisaille, 600 degrés, alors que le point de fusion du plomb, de l'étain plomb, et de 280 degrés, donc une température inférieure à celle de la cuisson de la peinture, de la grisaille. Alors afin de fixer cette grisaille qui ici est vraiment inaltérable, elle ne va plus s'enlever ni aux pluies ni au vent, et elle va résister à toutes les agressions atmosphériques, étant donné qu'il s'agit désormais d'un tatouage, il a fallu donc peindre les pièces avant de sertir. Donc chaque pièce est peinte individuellement, en prenant soin, bien sûr, dans ce cas de figure, que les lignes, ne serait-ce que le drapé de la robe, toutes les lignes se suivent afin de respecter une fluidité au niveau de la robe. Puis les pièces sont cuites. Voilà. Une fois que les pièces ont été cuites et qu'il n'y a pas eu d'échec, c'est eu un échec, ce qui peut arriver parce qu'une pièce ne résiste pas à la chaleur. À ce moment-là, il faut recommencer, bien sûr. Et lorsqu'elles sont toutes réussies, il faut assembler. D'accord. L'assemblage est toujours le même, ce sont des baguettes de plomb, soudées puis contre-soudées. Ça signifie, et nous ne verrons pas sur l'autre ouvrage parce que ce sera trop long, ça signifie que lorsque le vitrail est monté sous plomb, c'est-à-dire totalement monté sur un côté, toutes les intersections, les points de jonction que je vous pointe actuellement avec mon doigt sont soudés. L'ouvrage est délicatement retourné. Et on opère de la même façon à l'arrière,
on soude de nouveau tous les points d'intersection. C'est ce qu'on appelle donc la contre-soudure. Souder, contre-souder. Ce n'est pas la fin du travail. Afin d'assurer une étanchéité parfaite au vitrail, que ce soit un vitrail pour un particulier ou pour une église, et lui conférer une meilleure rigidité, une meilleure tenue dans le temps, le vitrail est mastiqué. Donc ce vitrail est totalement mastiqué, avec une pâte très fluide, bien sûr, qui comporte de l'huile de lin, du blanc de meudon, un silicatif, etc. Enfin, nous faisons notre potion, si je puis dire, et cette pâte relativement fluide est balayée avec une brosse relativement dure sous les ailes du plomb avant qu'il ne soit rabattu et séchera au travers du temps de façon naturelle et apportera une rigidité et une étanchéité à l'ouvrage. Oui, alors c'est exact. Effectivement, dans l'art du vitrail, il faut toujours mettre en relation le poids du verre et la résistance au plomb. Le plomb est un métal mou, tel que vous pouvez le voir sous la caméra. Il prend la mémoire de la forme, il est souple. C'est un avantage et ça permet effectivement de sertir les pièces rondes ou d'ailleurs qui comportent des défauts. Voilà. Donc je prends simplement 10 secondes de plomb de coupe et je suis à vous. L'essaim se trouve sur un seul côté. N'empêche que ce côté ici n'est pas libre pour autant. Je l'ai quand même chargé, je dirais, sans être de façon, sans utiliser un terme péjoratif. Je suis obligée de travailler avec du plomb souple, mou, je dirais. Autrement dit, le peu de résistance qu'apportera le plomb ne doit pas être un échec à la résistance du vitrail. Car le verre pèse un certain poids. Et pour ne rien vous cacher, il pèse 2,5 kg par millimètre et par mètre carré, ce qui n'est pas négligeable. Autrement dit, dans tout vitrail, il faut toujours mettre en relation le poids du verre et la résistance au plomb. Et vous le voyez très nettement sur les iris là-bas, où vous pouvez remarquer que le dessin se trouve sur un seul côté. N'empêche que ce côté ici n'est pas libre pour autant. Je l'ai quand même chargé, je dirais, sans être de façon, sans utiliser un terme péjoratif, j'ai quand même meublé de plomb. Et si à l'arrière il se trouve une trame géométrique, ce n'est pas uniquement pour faire joli, mais c'est pour également apporter de la résistance à cette vitre-là, qui, sans le plomb, aurait été beaucoup trop grande et n'aurait pas tenu dans le temps, et ce se serait sûrement déchaussé, voire cassé. Voilà, alors effectivement, pour répondre à votre question, avant de dessiner, ou tout en dessinant, je dirais, il faut toujours avoir à l'esprit cette relation poids du verre, résistance au plomb. Et le plomb, dans un dessin, doit apporter la rigidité et constitue en quelque sorte la colonne vertébrale de l'ouvrage. D'accord. Alors, pour en revenir à l'ange, les plombs ne sont pas coupés à toutes les intersections. Bien qu'il y ait un point de soudure à toutes les intersections parce que les points se croisent, parce que les points ou je dirais les lignes de plomb se croisent, les lignes de plomb ne sont pas forcément coupées. Ça signifie que le plomb serpente. Étant donné qu'il est mou et souple, il serpente au travers d'un vitrail. Par exemple, alors je vais vous montrer le chemin d'une seule baguette de plomb en la suivant de mon doigt. En ce qui concerne par exemple ce pied, la baguette de plomb démarre à l'endroit où se situe mon doigt, encercle le pied et suit la robe jusqu'à là. Autrement dit, cette petite pièce de verre que je touche et qui représente le pied de mon ange ne peut pas s'échapper, étant donné qu'elle est enclavée. Bon. Le plomb n'est pas coupé, il tourne autour de la pièce, il l'encercle. Il en va de même en ce qui concerne ce pied qui est une toute petite pièce et qu'on ne peut pas laisser comme ça de façon libre dans un ouvrage. Une fois de plus, cette pièce est enclavée et le plomb tourne autour. Tourne autour et va jusqu'à la nuque de mon ange, sans coupure. Voilà. Donc vous comprenez bien que lorsqu'un plomb non coupé part du bas de l'ouvrage au pied et monte jusqu'aux deux tiers de la hauteur, vous avez une rigidité au niveau de l'ouvrage. Tout à fait.
concernant les épaisseurs du verre, peut-être, Véronique. Vous m'avez dit que dans une plaque de verre, avant, comment on fait une plaque de verre, au fait? Comment on la fabrique? Alors, le verre, le vrai verre à vitrail est un verre artisanal. Ça signifie que... Voilà. Bon, je prends simplement 10 secondes de plante de coupe et je suis à vous. Une feuille de verre, étant donné qu'elle représente à peu près une surface de 1 mètre carré, toujours un petit peu moins d'1 mètre carré. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que le verre pesait 2,5 kg par millimètre et par mètre carré, s'agissant d'un verre d'une épaisseur grosso modo de 4 mm, donc ça signifie que le souffleur de verre souffle une pièce qui pèse à la fin pratiquement 10 kg. Ce qui n'est pas négligeable quand on sait que c'est tenu à bout de bras. Bon, quel est le procédé? Le procédé est le suivant. Le souffleur de verre, avec sa canne qui lui permettra de souffler au travers, pique avec le bout de la canne dans une masse verrière, qui est donc à l'état visqueux. Cette masse verrière représente une boule de la grosseur d'une pomme, je dirais. Et le souffleur de verre souffle. Il souffle tout en tournant sa canne. Puis il repique comme ça, cette boule qui devient de plus en plus grande. Il repique dans cette marmite, si je dirais, de masse verrière à l'état visqueux. Il repique plusieurs fois jusqu'à obtenir une boule relativement grosse afin de couvrir une surface qui va avoisiner le mètre carré. Il s'y prend plusieurs fois? Ah oui, il s'y prend à plusieurs fois parce qu'il ne va pas pouvoir piquer, je dirais, 10 kg de verre pratiquement en fusion et ça ne tiendrait pas en une seule prise. Il s'y prend à plusieurs fois. Et chaque fois, c'est le principe de la boule de neige. Il met la boule de verre, il la replonge dans son verre à l'état visqueux. Du verre s'agglomère tout autour et la boule devient plus lourde, plus grande. Et la feuille de verre sera d'autant plus grande aussi. Mais il n'a pas soufflé, bien évidemment, le souffleur de verre ne va pas souffler de façon horizontale face à lui. Ce n'est pas pensable qu'il puisse souffler 10 kg de verre comme ça. Donc il souffle de façon verticale dans une fosse. Et c'est justement cette façon de souffler le verre qui va lui permettre de souffler non pas une boule bien sphérique, mais un tube qui s'allonge de par son poids, tout naturellement, et qui s'allonge aussi parce que le souffleur de verre amplifie le mouvement d'élongation de sa boule en faisant un mouvement de balancier au-dessus d'une fosse. En s'aidant avec la gravité. C'est par son poids, par la gravité, exactement. Au bout de quelques temps, il obtient ce qu'on appelle un manchon, c'est-à-dire un tube de verre, fermé d'un côté parce que tout naturellement, bien sûr, c'est fermé, et de l'autre côté, fermé parce qu'il y a une canne. Bon, il faudrait peut-être que je prenne un morceau.